Yahoo Bidimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va ouvrir ensemble mon colis de ma commande que j'ai passé sur le site de Shinsekai, un site de figurines tout simplement et du coup c'est un achat que j'ai fait pendant les soldes de janvier. Voilà, alors cette vidéo je ne sais absolument pas quand elle va sortir, moi le jour où je filme nous sommes la semaine du 26 janvier, nous sommes le 28 je crois. Et juste à savoir que je l'ai reçu très rapidement, je n'ai rien à redire dessus. Et voilà, après n'hésitez pas à me dire si vous, vous connaissez d'autres sites à part Shinsekai et Shibi Akabara pour acheter des figurines. De préférence en France, mais après je suis prêt à tester et à essayer des sites aussi par exemple japonais où vous êtes sûr qu'ils sont sécures. Donc voilà à quoi ressemble le carton tout simplement et on va ouvrir ça ensemble. Donc j'avais déjà préouvert, bien entendu, tu me connais, c'est pour aller plus vite. Ok, au niveau de la protection, déjà, j'ai rien à redire, parce que c'est la première fois que je commande chez eux. Shibi Akabara, j'ai dû commander deux fois. Et bon, Figure House. J'ai Luffy qui est en train de se casser la tronche derrière moi, tout va bien. Luffy, reste avec moi. Tu sais, tu dois rester dans ma vie, Luffy. Donc, voilà, on a ça. Et... je ne savais plus trop si c'était celle-là ou pas au niveau de la forme de la boîte. Mais voilà la figurine que j'ai prise. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous étonne plutôt dans le sens où j'aurais dû acheter ce genre de figurine il y a un petit moment déjà? Mais oui. Alors on va ouvrir aussi une autre petite figurine en même temps. Hein, on va grouper. Mais voilà, on va ouvrir une autre figurine de panda aussi. Du personnage panda. J'ai pas commandé ça, on est d'accord. Il y a un truc au fond, mais je l'ai pas commandé. J'ai rien commandé de plus. Faut que je regarde le site, parce que là, j'ai un doute. J'ai un truc avec Shikamaru. What the fuck? Ah non, c'est même pas Shikamaru, c'est... ok. C'est un poster de figurine. J'ai pas compris. Voilà, c'est un poster pour figurine, mais je ne comprends pas. On marque comme ça, peut-être qu'il veut. Ça peut le faire, hein, bonne presto comme ça. Mais voilà, si ça intéresse quelqu'un, je peux lui envoyer. Il n'y a pas de souci, parce que moi, je ne garderai pas. Kakashi n'est pas forcément un des personnages que j'aime particulièrement. J'ai perdu mon ciseau. Je suis trop fort. Voilà à quoi ressemble la boîte. Et c'est donc une figurine de Taito. Ok, c'est Taito qui fait ça. Donc, on va ouvrir ça ensemble et on va découvrir ça. Et après, je vais te montrer une autre petite figurine de panda que je me suis achetée. Mais c'est pas du tout au même endroit parce que c'est donc à Geek in Japan sur Bordeaux. Voilà. Ça, j'en parle assez régulièrement d'eux et j'ai enfin acheté une figurine chez eux. Bah, je pense qu'il n'y a que la figurine et le... waouh ! Le poids de la figurine ! Ok, donc là il y a le socle. J'ai très très peur de faire tomber parce que là je pense que... oh, il est trop stylé. Oh, il est trop stylé le socle, regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Mais regarde-moi cette beauté. Bon, il est en furie. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et donc, la figurine qui est donc... attends, on va... est-ce que vous voyez? Non, en fait, vous voyez même pas. J'avais fait esprit de mettre des figurines ici, et en fait, vous les voyez pas. Bon, je vais quand même poser le soc à côté de moi par sécurité. Voilà. Et on va ouvrir, donc, la figurine. Alors, à savoir que Jujutsu Kaisen, j'ai commencé à regarder l'anime. Je me suis arrêtée à l'épisode 5. Ça devait être en septembre. Et après, je m'étais dit, bah, je reprendrai à la case départ et puis je re-regarderai. Je n'ai toujours pas re-regardé. Et puis, comme ils ont parlé qu'il allait y avoir une suite, je me suis dit, bah, on va attendre un petit peu. Hein. Elle est énorme. Oh my god. Elle est énorme. Et puis, elle est... ah, je voudrais savoir le poids.
Je suis à deux doigts d'aller dans le bureau qui est à l'étage pour aller peser la figurine parce que j'ai une balance de nourriture. Elle est énorme. Donc juste te le montre. Alors, je vais essayer de te le montrer comme ça, mais j'ai peur en fait. Ouais, c'est ça. Il va tomber ou quoi. Bisous petit pompon. Bisous petit pompon. Mais il est trop beau. Mais je croyais pas avoir pris celle-là. Je croyais que j'avais pris une autre position. Et là, il a ses griffes. Ah, il va falloir que je fasse pousser mes ongles alors, du coup. Voilà. Oui, j'ai tout cassé au festival de la BD. Voilà. Et oui, j'ai les mains rouges parce qu'il fait très très froid dans cette pièce. Déjà, quand il faisait plutôt bon, en novembre-décembre, il faisait 15 degrés. Là, je pense qu'on est beaucoup en dessous. On doit être dans les 10 degrés. Voilà. Et j'ai un petit chauffage, mais j'ai pas mis assez longtemps. Oui, c'est ça. Alors, hop. Tadam. Mais du coup, est-ce qu'elle rentre? Elle rentre! Ah, merde! Vous la voyez pas. Elle rentre! Jamie. Alors, Luffy, on en a déjà parlé. Tu dois rester dans ma vie. Tu dois pas te casser la gueule comme ça. Et on va enlever Yay que j'avais mis pour faire plaisir. Ouf, pile la place. C'était ta place, Panda. C'était ta place. Ouais, en fait. Je sais pas si vous voyez comme moi. En fait, il est tellement fat que les bras ne veulent pas rentrer dans le trou. Est-ce que ça rentre, hein, au niveau du soc, ça rentre. C'est le bras qui ne veut pas rentrer. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression en fait qu'il sort. Comme si, je sais pas, comme si c'était des. Comme s'il était géant et c'était des. Tu sais, des bâtiments, des immeubles ou quoi. Je trouve ça trop drôle. T'es avec la petite image de Panda dessinée par l'autre dessinateur, illustrateur Panda. Incroyable. Voilà. On continue côté figurine avec une mini Kyuposuke de Panda. Voilà. Elle était à 14,90€ à Geek in Japan. Et en fait, à Geek in Japan, il y a des cartes de fidélité dès que tu dépasses 15€ d'achat. Et donc, ben, en fait, je ne l'ai pas payé. Voilà. C'est à 15€ dès... Voilà. Enfin, c'est un truc avec la carte de fidélité. Et donc, je ne l'ai pas payé. Donc, je me suis fait plaisir parce qu'au départ, j'étais passée lundi. Donc, lundi dernier... Pour moi, j'étais passée à la boutique et puis j'avais vu et je croyais qu'elle était à 22,90€. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit qu'elle était à 22,90€. Peut-être parce que je pensais que c'était la taille au-dessus. Et donc, du coup, ben, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, au moins j'ai presque payé avec la carte fidélité. Et pas du tout, en fait. Pas du tout. Elle était à 14,90€. Voilà. Je vais me faire une petite étagère avec que Panda. J'aimerais trop avoir l'autre figurine parce que je sais qu'il y en a d'autres. Je vais essayer de te mettre les images. Je sais qu'il y a d'autres figurines de Panda. J'aimerais trop toutes les avoir. Je ne connais pas encore ce personnage, mais peu importe en fait. Je pense que tu t'en doutes, peu importe. C'est un Panda, point barre. Parce que ma mère, en plus, qu'on y est passé le lundi, j'étais avec ma maman, le mardi, non. Et le lundi, elle me fait, mais tu connais l'animé? Parce qu'il me semblait que c'était celui que tu avais dit que tu n'avais pas vu. Je fais, oui, je ne l'ai pas vu, mais c'est un panda, maman. C'est un panda. À un moment donné, tu me connais. Je ne peux pas résister au panda. J'ai même ici un sticker de panda que j'avais eu à Animasia. Je vais me mettre ici, d'ailleurs. Hop, voilà. Comme ça, il y aura un petit coin avec Panda. Faut que je mette du coup le doudou qui est derrière là, qui est derrière mon oreille, justement à la même hauteur. Ça pourrait être drôle. Oh, je meurs, il est trop chaud. Waf. Oh, je meurs. Oh non, mais regardez-moi ça, il est trop mignon. S'il existe en cube parce qu'il a taillé au-dessus, je le veux aussi. Hein. Même si c'est la même, je m'en fous.
Ah, ouais, mais si je mets là, ça risque de se casser sa tronche. Ici. Enfin, une collection. En plus, je sais pas si t'avais vu. Il a les joues toutes rouges. Regarde, c'est rose sur le côté. On voit bien, normalement. Allez. On voit que c'est rose un peu. Il a les petites joues toutes roses. On a envie de les croquer. Oui, Silly Panda, vous m'avez perdu. Cette vidéo double figurine de panda est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets dans la barre d'informations le lien de la figurine en question que j'ai achetée. Celle-ci, je verrai du coup si elle y est aussi sur le site de Geek in Japan, parce qu'à savoir que Geek in Japan a un site au cas où. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me dire justement, toi, quel est ton personnage préféré dans Jujutsu Kaisen. Tout ça. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt. Tous les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes sont dans la barre d'infos, ainsi que le lien de ma boutique, si jamais. Bye!